Dans l'ombre de la société, il existe un monde caché où des femmes intrépides défient les conventions et embrassent une vie de crime et de pouvoir. Rejoignez-nous pour éplucher les couches du secret et découvrir les vérités choquantes et les histoires inédites des gangs féminins les plus redoutés. Les Maigres. Les Maigres est un dangereux gang féminin du Mexique. Elles ont acquis une certaine notoriété en raison de leur implication dans le trafic de drogue et de leurs tactiques impitoyables. Ces dernières années, au moins trois tueuses à gages, connues sous le nom de La Flaca ou The Skinny One, ont fait la une des journaux pour leurs crimes choquants. Veronica Mireya Moreno Carreon, la première La Flaca parmi les sicarias. Née et élevée à San Nicolas de Los Garza, Moreno Carreon a commencé son parcours dans les bas-fonds de la criminalité d'une manière inattendue. L'histoire raconte que Moreno Carreon a commencé sa carrière en tant qu'officier de police, soucieuse de faire respecter la loi et de protéger sa communauté. Mais le destin a eu d'autres projets pour elle. En 2009, elle s'est retrouvée dans une fusillade qui a changé sa vie avec des kidnappeurs potentiels qui tentaient de s'emparer d'un vendeur de voitures. Au milieu du chaos, Moreno Carreon a fait preuve d'une bravoure inébranlable et a été blessé dans l'exercice de ses fonctions. Il semblerait que la rencontre de Moreno Carreon avec le danger ait éveillé en elle une soif de pouvoir et un désir de vivre en dehors des limites de la loi. On dit qu'elle a pris la décision fatidique de s'associer à l'un des cartels de la drogue les plus célèbres du Mexique, les Zetas. Grâce à sa connaissance des tactiques policières et à sa nouvelle allégeance aux Los Zetas, Moreno Carreon a rapidement gravi les échelons, devenant une force redoutable au sein du cartel. Sa transformation d'officier de police, décoré en assassin redouté, était achevée. Elle est devenue la Flaca, un nom qui sème la terreur dans le cœur de ceux qui croisent son chemin. Armée de ses compétences mortelles et d'une détermination inébranlable, elle s'est engagée sur la voie de la violence et de la terreur, laissant dans son sillage une traînée de sang. Les rumeurs de son implication dans de nombreux meurtres et trafics de drogue se sont répandues comme une traînée de poudre, consolidant sa réputation de force avec laquelle il faut compter. Mais comme le dit le proverbe, plus on monte, plus on tombe. En 2011, les activités criminelles de Moreno Carreon l'ont rattrapé. Les marines mexicains, implacables dans leur quête de justice, l'ont appréhendé alors qu'elle était apparemment au volant d'une voiture volée. En sa possession, ils ont trouvé un revolver et 6 téléphones portables, des preuves qui allaient la relier à un réseau de complicité dans des crimes odieux. Alors que l'héritage de la Flaca continue de s'étendre, un autre nom sort de l'ombre, Nancy Manriquez Quintanar, la deuxième, la Flaca parmi les sicarias. Originaire de la ville d'Ecatepec, l'ascension de Quintanar vers l'infamie a été marquée par des effusions de sang et une réputation d'impitoyable. Les autorités mexicaines ont fait une annonce qui fait froid dans le dos, révélant l'arrestation d'un tueur du cartel connu sous le nom de La Flaca. L'implication présumée de Quintanar dans au moins une douzaine de meurtres a provoqué une onde de choc dans le monde criminel. Ses terrains de chasse préférés, les lieux nocturnes fréquentés par les membres d'un cartel rival. Le modus operandi de Quintanar était aussi rusé que mortel. Tel un prédateur traquant sa proie, elle se fondait dans la foule, ses véritables intentions étant dissimulées sous un voile de normalité. Mais derrière cette façade innocente se cachait un assassin au sang-froid, prêt à frapper à tout moment. Nuit après nuit, Quintanar rôdait dans les rues mal éclairées, à la recherche de ses cibles. Ses victimes, des membres d'un cartel concurrent qui ne se doutèrent de rien, mouraient de ses mains. Sa réputation de tueuse sans pitié grandit, consolidant sa position comme l'une des sicarias les plus redoutées du Mexique. Le règne de terreur de Quintanar a fini par prendre fin. La poursuite incessante de la justice par les autorités mexicaines aboutira à sa capture, mettant ainsi fin à sa folie meurtrière. L'histoire de Les Maigres prend une tournure tragique lorsque nous nous penchons sur l'histoire de Jocelyn Alejandra Nino, la troisième et la plus malheureuse des La Flaca parmi les sicarias. Nino a atteint un certain niveau de notoriété lorsqu'une photo surprenante d'elle a fait surface sur les médias sociaux, attirant l'attention du monde entier. La photo, partagée sur Facebook et Twitter, présente Nino comme Aka La Flaca, une légère variation de l'orthographe habituelle. Fidèle à son surnom, Nino possède une silhouette étonnamment fine qui rappelle celle d'un mannequin de Vogue. Même en gilet pare-balles, elle dégageait un air d'élégance, avec un pendentif sur une chaîne en or ornant son cou, porté à l'extérieur du Kevlar protecteur. Les mains délicates de Nino tiennent un fusil d'assaut M4 modifié, une arme mortelle qui semble incongrue par rapport à son apparence fragile. Le territoire d'origine de Nino, situé juste au sud de la frontière du Texas, a été le théâtre d'une violente bataille entre les factions rivales du cartel du Golfe. Elle s'est ralliée à la faction Los Ciclones, anciennement connue sous le nom de Los Escorpiones, dans leur guerre contre leurs ennemis, Los Metros. Sa terreur a pris fin lorsque, dans la ville de Matamoros, un camion abandonné a été trouvé sur un parking, son chargement révélant une vérité macabre. 3 glacières à bière ont été découvertes à l'arrière, chacune contenant des morceaux de corps.
Lorsque les glacières ont été ouvertes, la véritable horreur de la situation s'est révélée. L'une des glacières, bleue et blanche, révélait un pied droit retourné et un bras droit mince, portant le tatouage distinctif qui était devenu synonyme de la flaca, Nino. Il était presque certain que ces parties du corps appartenaient à Jocelyn Alejandra Nino, la dernière victime d'un destin brutal. Les restes démembrés de Nino, ainsi que ceux d'une deuxième femme et d'un homme, témoignent de la violence qui règne dans le monde de les maigres. Les reines latines. Dans les rues crasseuses de Chicago, un gang est apparu dans les années 1950, qui allait bientôt devenir une force avec laquelle il faudrait compter. Les Latin Kings, fondés par Ramon Santos sous le nom de Imperials, visaient à surmonter la discrimination raciale à laquelle était confrontée la communauté portoricaine. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'une sous-section de ce gang notoire prenne de l'importance. Les Latin Queens. Les Latin Queens ont été créées pour répondre aux besoins d'autonomisation des femmes au sein du gang des Latin Kings. Ces femmes voulaient faire entendre leur voix, jouer un rôle important dans les opérations du gang et remettre en question la hiérarchie dominée par les hommes. Elles ont cherché à aborder des questions telles que le respect de soi, l'indépendance, le soutien familial, l'identité ethnique et l'autonomisation. Les reines latines se sont rapidement imposées comme une force redoutable au sein du gang des Latin Kings. Elles ne se contentaient pas d'être de simples spectatrices. Elles voulaient participer activement aux activités criminelles qui faisaient la réputation du gang. Ces femmes étaient déterminées à laisser leur marque dans le monde criminel. Au fil du temps, les reines latines sont devenues célèbres pour leur loyauté féroce et leur dévouement inébranlable envers les Latin Kings. Elles se sont révélées tout aussi impitoyables et intrépides que leurs homologues masculins, se livrant à des activités telles que le trafic de drogue, les agressions, les cambriolages et même les homicides. Ces femmes ne devaient pas être sous-estimées. Mais ce n'est pas seulement leur participation à des entreprises criminelles qui a permis aux Latin Queens de se distinguer. Elles ont également joué un rôle crucial dans la revendication et la régulation de leur espace privé au sein du gang. Ces femmes ne se contentèrent pas d'être de simples accessoires, elles voulaient être reconnues comme des égales, des leaders et des figures puissantes au sein des Latin Kings. La montée en puissance des reines latines au sein du gang des Latin Kings témoigne de la force et de la résistance de ces femmes. L'un des chefs de ce groupe dangereux était Zulma Andino. À l'âge de 16 ans, elle rejoint le roi latin. Zulma a rapidement prouvé qu'elle était une force avec laquelle il fallait compter, gravissant les échelons avec une détermination inégalée. Sous la direction de Zulma, l'aile féminine des Latin Kings s'est épanouie. Elle a mis en place un code de conduite strict, exigeant loyauté et dévouement de la part de ses membres. Mais ce ne sont pas seulement ses qualités de leader qui ont fait de Zulma une figure redoutable. Elle était également connue pour son intrépidité et sa volonté de se salir les mains. Zulma n'était pas du genre à reculer devant la violence. Et elle a clairement fait savoir qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour protéger ses membres et maintenir la domination des Latin Kings. Mais avec le pouvoir viennent les ennemis, et Zulma se retrouve bientôt dans la ligne de mire des gangs rivaux et des forces de l'ordre. En décembre 1993, elle a tué Islander Navaez, un roi latin tombé en disgrâce, et a également participé à l'agression d'Annette Martinez, une reine latine qui se présentait comme un leader. Lorsqu'elle a été appréhendée par les forces de l'ordre, elle s'est jointe à trois autres membres de gang pour conclure un accord de plaidée coupable. Dans le cadre de cet accord, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 18 ans. 40 éléphants. Opérant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1950, le gang des 40 éléphants s'attaquait aux magasins haut de gamme du West End de Londres, dérobant des marchandises d'une valeur de plusieurs milliers de livres. Mais leurs activités criminelles ne s'arrêtaient pas là. Ils se faisaient passer pour des femmes de ménage auprès de familles riches, accédant à leur domicile avant de le mettre à sac pour y trouver des objets de valeur. Leur réputation d'organisation et d'expertise était si formidable qu'ils étaient admirés par leurs homologues masculins du gang des éléphants. Les membres du gang étaient connus pour affronter un nombre égal d'hommes au combat, ce qui leur valait une réputation redoutable. Le gang tire son nom du quartier Elephant and Castle, un quartier dynamique et diversifié du sud de Londres. C'est là que ces femmes audacieuses ont établi leur base d'opération et se sont lancées dans une vie criminelle qui les a rendues tristement célèbres. Les 40 éléphants étaient spécialisés dans le vol à l'étalage, ciblant les magasins haut de gamme du West End de Londres. Ils avaient l'œil pour les produits de luxe et étaient connus pour leur capacité à voler des articles d'une valeur de plusieurs milliers de livres en un seul raid. Mais leurs activités criminelles ne s'arrêtaient pas là. Les membres du gang ne se contentaient pas de cibler les magasins. Ils ont mis au point un plan astucieux consistant à se faire passer pour des femmes de ménage de familles aisées. Cela leur permettait d'accéder à leur domicile, où ils cherchaient méticuleusement des objets de valeur à voler. Cette initiative audacieuse les distinguait des autres organisations criminelles de l'époque. Habillés comme des femmes de ménage, les 40 éléphants se fondaient parfaitement dans les foyers qu'ils ciblaient. Maîtres de la tromperie, ils utilisaient leur apparence innocente
pour désarmer leurs victimes et commettre leurs crimes sans être repérés. La capacité du gang à voler avec précision et style lui a valu une réputation redoutable. Ils étaient connus pour être méticuleux dans leur planification, ne négligeant aucun détail dans leur quête de butins précieux. Leurs biens volés allaient des bijoux exquis aux œuvres d'art, laissant dans leur sillage une traînée de chaos et de désespoir. Le produit de leurs crimes ne servait pas seulement à financer leur mode de vie extravagant, mais aussi à soutenir financièrement leur conjoint masculin. Il s'agissait d'un arrangement non conventionnel qui remettait en question les normes sociétales de l'époque. Les membres du gang se délectaient de leur nouveau pouvoir et de leur indépendance, menant une vie de luxe et d'excès. Le gang des 40 éléphants s'est fait connaître dans la région, les magasins de luxe qu'ils ciblaient subissant le poids de ces activités criminelles. Leur audace et leur capacité à échapper à la capture n'ont fait qu'ajouter à leur mysticisme, les faisant entrer dans la légende. Ils étendent leurs activités au-delà de Londres, ciblant les zones rurales et les villes côtières. Ils ont modernisé leurs opérations en investissant dans des voitures rapides et en utilisant le système ferroviaire britannique pour transporter leurs butins. Les 40 éléphants avaient toujours une longueur d'avance, s'adaptant à l'évolution des temps et devançant la loi. Les 40 éléphants n'étaient pas un simple gang, mais une force avec laquelle il fallait compter. Ils exigent la loyauté de leurs membres et des autres membres de leur réseau d'approvisionnement et de distribution. Ceux qui osent les contrarier s'exposent à de graves conséquences, car le gang est territorial et ne recule devant rien pour protéger son empire. Si plusieurs membres de gang ont parfois été arrêtés et condamnés, leurs peines d'emprisonnement ont généralement été courtes. L'attrait du gang était trop fort et, à leur libération, ils revenaient au bercail, prêts à reprendre leur vie criminelle. Les biens volés n'étaient pas portés par les membres du gang eux-mêmes, mais distribués à un réseau de rustlers, de marchands ambulants et de prêteurs sur gage. Cela leur permettait de tirer profit de leurs crimes et de garder le contrôle de leur empire illicite. La capacité du gang à planifier et à exécuter ces crimes avec précision était inégalée. Ils repéraient méticuleusement leurs cibles, étudiant l'agencement des magasins et identifiant les faiblesses de la sécurité. Leur souci du détail leur permettait de frapper rapidement et de disparaître sans laisser de traces. Les 40 éléphants n'étaient pas invincibles. En 1925, ils sont confrontés à leur plus grand défi, la tristement célèbre bataille de Lambeth. Cet affrontement avec les forces de l'ordre marquera un tournant dans l'histoire du gang. Plusieurs de ses chefs ont été arrêtés et condamnés, ce qui a entraîné l'effondrement temporaire du gang. Bien que leur peine de prison soit généralement courte, le cycle constant d'arrestation et de libération a fait des ravages. Les activités du gang sont devenues plus difficiles à maintenir et des fissures ont commencé à apparaître dans leur empire autrefois impénétrable. Panthère Rose. Dans les années 1990, dans l'État serbe hautement corrompu, un groupe de criminels très compétents originaires de divers pays de l'ex-Yougoslavie s'est réuni pour former ce qui allait devenir l'une des organisations criminelles les plus célèbres de l'histoire, le gang des Pink Panthers. Grâce à leur passé militaire et à leur désir commun de richesse et de pouvoir, ces femmes ont mis à profit leurs compétences et leur expertise pour se lancer dans une série de casses audacieux qui allaient laisser le monde pantois. Fonctionnant sans structure de commandement, le gang des Pink Panthers était une machine bien huilée, chaque membre ayant un rôle et une responsabilité spécifique. Leurs identités étaient tenues secrètes, ce qui ajoutait une touche de mystère à leurs activités criminelles. Leurs opérations se caractérisaient par une planification méticuleuse et un souci du détail. Ils passaient des mois à étudier leurs cibles, à recueillir des renseignements et à identifier leurs points faibles. Rien n'était laissé au hasard dans la préparation de leurs audacieux casses. Ils ont utilisé diverses tactiques pour assurer leur succès. Les femmes séduisantes étaient utilisées pour la surveillance, se fondant parfaitement dans leur environnement et recueillant des informations cruciales. Ils frappaient au moment où l'on s'y attendait le moins, faisant preuve d'une violence soudaine pour maîtriser leurs victimes et s'emparer de leurs précieux trésors. Leurs cibles ne connaissaient pas de frontières. Des rues animées de Londres à la ville vibrante de Tokyo, des magasins luxueux de Dubaï aux canaux romantiques de Venise, en passant par les prestigieuses foires d'art de Maastricht, aucune bijouterie haut de gamme n'était à l'abri de leurs audacieux exploits. Ils ont rapidement gagné en notoriété en 2003 lors du tristement célèbre casse du Graphe de Londres. Dans une scène digne d'un film hollywoodien, ils ont découvert des bijoux d'une valeur de plusieurs millions de dollars dissimulés dans un pot de crème pour la peau. Cet acte audacieux les a propulsés sous les feux de la rampe, consolidant leur réputation d'organisation de voleurs la plus prolifique au monde. Leur audace s'est accrue au fur et à mesure que leur richesse et leur influence grandissaient. Le gang féminin des Pink Panthers s'est fait connaître pour sa capacité à échapper à la capture, laissant les forces de l'ordre du monde entier perplexes et frustrées. Grâce à leur planification méticuleuse et à leur plan d'évasion élaboré, il était pratiquement impossible pour les autorités de les traduire en justice. Malgré les efforts d'Interpol et d'autres organismes chargés de l'application de la loi, le gang féminin des Pink Panthers a poursuivi ses activités,
laissant dans son sillage une traînée d'or et de diamants volés. Leurs exploits audacieux ont captivé l'imagination du public et effrayé les détenteurs d'objets de grande valeur. Mais à mesure que la notoriété du gang féminin des Panthères Roses grandissait, la surveillance des autorités s'intensifiait. Les services répressifs du monde entier ont poursuivi sans relâche le gang féminin des Pink Panthers. Grâce à la comparaison d'ADN, certains membres ont été identifiés et associés à des crimes spécifiques, ce qui a conduit à plusieurs arrestations et condamnations. L'ingéniosité et la détermination du gang ont permis à certains de ses membres de s'échapper de prison, ce qui met en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à démanteler cette organisation tristement célèbre. Ces dernières années, leurs opérations ont été soumises à une pression accrue, ce qui a entraîné un déclin de leurs activités. Cependant, leur héritage et la menace qu'ils font peser sur les objets de grande valeur restent une préoccupation que l'on ne peut ignorer. Hell's Bells. Les Hell's Bells sont un gang de motardes intrépides et novateurs. De leur emblème inspiré des sorcières païennes à leurs chevauchées audacieuses et à leurs rencontres avec des clubs rivaux, les Hell's Bells ont tout affronté. Deb Rowley, l'une des dirigeantes du groupe, est caissière chez Morrison le jour et reine de la moto rapide et furieuse la nuit. À 31 ans, elle est la plus jeune membre et la vice-présidente des Hell's Bells. Fondée en 2010, à l'occasion d'Halloween, Hell's Bells innove dans le monde de la moto. Il s'agit du seul club indépendant de femmes au Royaume-Uni, également connu sous le nom de Women's Backpatch Club, WMC. Les clubs d'écussons dorsaux ont une hiérarchie formelle, tous suivant un modèle similaire. Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et le sergent d'armes sont appelés officiers et sont les membres les plus haut placés. Les membres peuvent obtenir un rang plus élevé en prouvant qu'ils sont dignes de confiance, engagés et loyaux. Bien qu'il existe d'autres clubs féminins dans le pays, ils sont soutenus par des clubs masculins et ne portent pas leur propre écusson. Hell's Bells est le seul WMC indépendant du pays, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on évolue dans un monde d'hommes. La création des Hell's Bells à l'occasion d'Halloween 2010 a marqué un moment important dans le monde de la moto. En tant que seul club indépendant de femmes portant un écusson dorsal au Royaume-Uni, elles ont brisé les barrières et défié les attentes. Leur écusson, fièrement porté par chaque membre, symbolise leur indépendance et leur résilience dans un secteur dominé par les hommes. Cette singularité s'accompagne de son lot de défis, car le club devient vulnérable aux conflits et aux menaces des autres clubs. Bien que des conflits puissent survenir, les femmes des Hell's Bells privilégient la force et la communication pour résoudre les problèmes avec les autres clubs. Le gang met l'accent sur son engagement à gérer les problèmes calmement, tout en se défendant. Elle refuse de tolérer les mauvais traitements et s'efforce de trouver des solutions pacifiques dans la mesure du possible. Au-delà des défis, la vie d'un membre des Hell's Bells a un côté plus léger. Outre les réunions du lundi soir, le club participe à des rallyes, à des alliances et à des randonnées occasionnelles le week-end. Elles s'adonnent à des soirées curry et organisent des fêtes animées au Cauldron, où elles se lâchent et montrent aux hommes qu'elles peuvent les surpasser n'importe quand. Les femmes des Hell's Bells emmènent leur vélo à la campagne, explorant des routes pittoresques comme Ponderosa dans les Yorkshire Dales et Ogden Tower dans le Lancashire. Elles nouent également des liens avec d'autres clubs du monde entier, en participant à des événements tels que le rallye annuel Yorkshire Pudding à Elmsley et la plus grande rencontre mondiale de motardes au Ace Café, dans le nord de Londres. Bien que les Hell's Bells soient confrontées à leur part de défis dans le monde de la moto dominé par les hommes, elles refusent de se laisser arrêter par quoi que ce soit. Leur détermination et leur passion pour la moto sont évidentes dans les rallyes, les alliances et les balades occasionnelles qu'elles entreprennent le week-end. Ces femmes savent comment s'amuser, et les fêtes qu'elles organisent au Chaudron sont légendaires. Les week-ends, elles se rendent dans des endroits pittoresques, tels que Ponderosa, dans les Yorkshire Dales et Ogden Tower, dans le Lancashire. Ces balades ne sont pas seulement l'occasion pour les Hell's Bells de profiter de la route, elles leur permettent aussi de se connecter avec d'autres gangs du monde entier. Devenir membre des Hell's Bells n'est pas chose aisée. Les nouvelles recrues doivent s'efforcer de gagner la confiance des membres plus anciennes, ce qui peut prendre un an ou plus avant d'être déclaré membre à part entière. L'importance accordée à la confiance et à l'engagement témoigne de la nature très unie de la confrérie des Hell's Bells. Les Hell's Bells veulent s'assurer que chaque membre est suffisamment fort pour faire face à tout problème qui pourrait survenir et qu'il ne s'engagera pas dans des conflits avec d'autres clubs. Le gang de la 18e rue. Originaire de Los Angeles, le 18e Street Gang a connu une croissance exponentielle et compte aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 membres répartis entre les États-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale. Il recrute activement des femmes pour renforcer ses opérations et prendre l'avantage sur ses rivaux. Les années 1960 ont été une période de bouleversements sociaux et de transformations culturelles dans la ville de Los Angeles. Au milieu de cette période turbulente, un groupe de jeunes Mexicains-Américains et immigrés s'est retrouvé en marge de la société, rejeté par les gangs hispaniques existants.
Déterminés à tracer leur propre voie, ils se sont rassemblés et ont formé ceux qui allaient devenir l'une des organisations criminelles les plus célèbres de l'histoire, le 18e Street Gang. Le 18e Street Gang est né de la nécessité, en réponse à l'exclusion et à la marginalisation auxquelles ces jeunes individus étaient confrontés. Il s'agit d'un groupe hétérogène, issu de milieux et d'ethnies différents, unis par leur expérience commune d'exclus. Cette composition unique les distinguera des autres gangs et ouvrira la voie à leur expansion rapide. Au fur et à mesure que leur influence grandissait, la force de leurs membres féminins s'affirmait. Dirigé par des leaders charismatiques et doués pour la rue, le 18e Street Gang a rapidement acquis une réputation de résistance et d'intrépidité. Ils ont refusé de se laisser enfermer dans les limites de la culture traditionnelle des gangs, adoptant au contraire une identité multiraciale et multiethnique qui défie les normes sociétales. Le chiffre IZ8 est devenu leur symbole, inscrit sur les murs et gravé sur leur peau. Il représente leur unité, leur défi et leur engagement inébranlable les uns envers les autres. Portant des vêtements ornés des logos de diverses équipes sportives, ils ont créé une identité visuelle qui a semé l'effroi dans le cœur de leurs rivaux. Dans les premières années, le 18e Street Gang se concentre principalement sur les activités criminelles locales, telles que les petits vols et le trafic de drogue. Mais au fur et à mesure que leur nombre augmentait, leurs ambitions grandissaient. Ils ont commencé à étendre leurs opérations, s'aventurant dans des entreprises plus lucratives comme le trafic de drogue et le vol de voitures. Les forces de l'ordre ne tardent pas à remarquer la montée en puissance du 18e Street Gang. Les raids et les arrestations sont devenues monnaie courante, les autorités tentant de démanteler l'organisation. Mais la structure décentralisée et l'influence étendue du gang en font un adversaire redoutable, toujours capable de s'adapter et de se reconstruire. Les premières années ont été marquées par d'intenses conflits territoriaux avec des gangs rivaux, en particulier le gang Mara Salvatrucha, MS-13. Ces affrontements ont souvent débouché sur de violentes confrontations, laissant dans leur sillage des effusions de sang et des destructions. La réputation de brutalité du 18e Street Gang n'a cessé de croître, inspirant la peur à la fois à ses ennemis et aux communautés dans lesquelles il opérait. Mais l'aspect le plus choquant du 18e Street Gang est sans doute son recrutement de jeunes en âge de fréquenter l'école primaire et le collège. Surnommée l'armée des enfants, ces jeunes étaient ciblés et préparés par le gang, entraînés dans une vie de crime et de violence à un âge étonnamment jeune. Alors que le 18e Street Gang continue d'étendre son influence, ses activités criminelles dépassent les frontières de Los Angeles. Ils ont jeté leur dévolu sur de nouveaux territoires, étendant leur influence aux États-Unis, au Mexique et à l'Amérique centrale. Leurs efforts de recrutement sont devenus plus agressifs, attirant des membres de différents groupes ethniques et consolidant leur statut d'organisation criminelle transnationale multiethnique. L'implication du gang dans le trafic de drogue était particulièrement lucrative. Ils ont établi un vaste réseau, faisant passer des stupéfiants à travers les frontières et les distribuant dans les rues des villes les plus éloignées. Leur rayon d'action s'étendait de Los Angeles au Mexique, à l'Amérique centrale et même au-delà, infiltrant les communautés avec leurs marchandises mortelles. Mais l'un des aspects les plus choquants du gang de la 18e rue est sans doute ses alliances avec d'autres organisations criminelles puissantes. Il a noué des liens étroits avec la mafia mexicaine, un syndicat criminel impitoyable et influent. Cette alliance a permis au 18e Street Gang de bénéficier d'une protection, de ressources et d'un accès à un réseau plus large d'activités criminelles. Cependant, leur alliance avec la mafia mexicaine les a également amenés à une rivalité amère avec le gang Mara Salvatrucha, MS-13. Ces deux titans du monde criminel se sont affrontés dans une lutte pour le contrôle et la domination, entraînant une vague de violence et d'effusion de sang dans les rues qu'ils se disputaient. Les activités criminelles et les alliances du 18e Street Gang témoignent de sa soif insatiable de pouvoir et de contrôle. Ils ne reculaient devant rien pour étendre leur empire, laissant un impact durable sur les communautés dans lesquelles ils opéraient. La Fraternité Aryenne. La Fraternité Aryenne et la secte féminine de la Fraternité Aryenne, également connue sous le nom de Brand ou Abbé, a une histoire sombre et tordue qui remonte au milieu des années 1960. C'est dans l'enceinte de la prison d'État de San Quentin, en Californie, qu'est né ce célèbre gang carcéral suprématiste blanc. Ses fondateurs, Barry Mills et Tyler Bingham, cherchaient à créer une organisation puissante qui protégerait les détenus blancs et promouvrait leur idéologie raciste. Dans l'atmosphère raciale des années 1960, la Fraternité Aryenne est apparue comme une réponse à l'influence croissante des gangs de prisonniers noirs, tels que la Black Guerrilla Family. L'objectif premier du gang était d'établir la suprématie blanche au sein du système carcéral et au-delà. Ils croyaient en la supériorité de la race aryenne et cherchaient à répandre leur idéologie haineuse par la violence et l'intimidation. La confrérie aryenne a rapidement acquis une réputation de brutalité et de volonté d'utiliser des mesures extrêmes pour atteindre ces objectifs. Leurs actes violents ne se sont pas limités aux murs des prisons. Elles ont étendu leur influence à la rue, se livrant à des activités criminelles qui ont permis de financer leurs opérations et d'étendre leur influence.
Au fur et à mesure que le gang grandit en nombre et en puissance, il commence à forger des alliances avec d'autres organisations criminelles, consolidant ainsi sa position en tant que syndicat du crime national. La fraternité aryenne a noué des liens avec la mafia américaine, les Dirty White Boys, les Hells Angels MC, la mafia irlandaise, la mafia mexicaine, les Nazi Lowriders, Public Enemy numéro 1 et Vagos MC. Ces alliances ont permis au gang d'obtenir des ressources et une protection supplémentaire, ce qui en a fait une force redoutable au sein du monde criminel. La montée en puissance de la fraternité aryenne ne s'est pas faite sans heurts. Le gang a dû faire face à l'opposition de gangs pénitentiaires rivaux, en particulier la Black Guerrilla Family et Nuestra Familia. Des luttes de pouvoir et des conflits violents ont éclaté lorsque ces groupes se sont battus pour contrôler les territoires des prisons. La détermination de la fraternité aryenne à maintenir sa domination a souvent conduit à des confrontations sanglantes, entraînant un nombre disproportionné de meurtres dans les prisons. L'un des facteurs qui ont contribué à la longévité de la fraternité aryenne est son code strict de loyauté et de secret. Les nouveaux membres sont tenus de prêter un serment de sang ou de s'engager, démontrant ainsi leur attachement à la cause du gang. Ce processus d'initiation implique souvent des actes de violence, comme le meurtre d'un autre détenu, en guise de test de loyauté. Ceux qui prouvent leur dévouement sont accueillis dans les rangs de la fraternité aryenne, où l'on attend d'eux qu'ils exécutent le programme du gang sans poser de questions. L'utilisation de symboles par la fraternité aryenne renforce encore son idéologie de suprématie blanche. Les trèfles, les croix gammées et autres symboles de la suprématie blanche servent à identifier les membres du gang, à leur inspirer de la peur et à promouvoir leurs croyances haineuses. Ces symboles ne sont pas de simples décorations. Ils rappellent de manière effrayante l'engagement du gang en faveur de la haine et de la violence raciale. Malgré les nombreuses enquêtes et poursuites dont elle a fait l'objet, la fraternité aryenne a réussi à maintenir son influence et son contrôle. Leur capacité à s'adapter, à former des alliances et à recruter de nouveaux membres leur a permis de poursuivre leurs activités criminelles, ce qui fait d'eux une menace importante pour la sécurité publique. En matière d'activités criminelles, ce gang est impliqué dans un large éventail d'entreprises illicites qui suscitent l'effroi des détenus et des représentants des forces de l'ordre. Meurtres, trafic de drogue, vols et autres actes odieux font partie de leur sinistre répertoire. Le gang a également mis en place un vaste réseau de distribution de drogue illégale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des prisons. Ils contrôlent le flux de stupéfiants, assurant un approvisionnement régulier de leurs membres et associés. L'extorsion et le racket font également partie du répertoire criminel de la fraternité aryenne. Ils utilisent des tactiques d'intimidation pour extorquer de l'argent et des ressources à des particuliers et à des entreprises, assurant ainsi un flux régulier de revenus pour leurs opérations. Le trafic d'armes est un aspect particulièrement alarmant des activités criminelles de la fraternité aryenne. Le gang est impliqué dans le commerce illégal d'armes à feu, fournissant des armes à ses membres et à d'autres organisations criminelles. Les activités criminelles de la fraternité aryenne s'étendent au-delà des murs de la prison. Leurs alliances avec d'autres organisations criminelles, telles que la mafia américaine et les Hells Angels MC, leur fournissent des ressources supplémentaires et des possibilités de collaboration. Cela leur permet d'étendre leurs activités criminelles et d'exercer une influence sur divers marchés illicites. Le gang de la Veuve Noire. Ce groupe de tueurs en série colombien a provoqué une onde de choc dans le pays à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Dirigé par la rusée Sandra Giraldo et l'impitoyable Emilsen Yulima Nathalie Rojas, ce réseau criminel était composé principalement de femmes, chacune ayant un rôle différent au sein du gang. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, la Colombie était en proie à la peur en raison de l'émergence d'une organisation criminelle notoire, connue sous le nom de le Gang de la Veuve Noire ou Veuve Noire de Colombie. Ce groupe de tueuses en série a commis des crimes odieux qui ont choqué la nation et laissé une trace de dévastation dans leur sillage. Le Gang de la Veuve Noire était dirigé par deux femmes rusées et manipulatrices, Sandra Giraldo et Emilsen Yulima Nathalie Rojas. Ces têtes pensantes ont orchestré un réseau criminel qui opérait avec précision et sans pitié. Le gang était principalement composé de femmes, chacune ayant un rôle spécifique à jouer dans leur jeu tordu de tromperie et de meurtre. Pour comprendre la formation du gang de la Veuve Noire, il faut se pencher sur les antécédents de ses chefs. Sandra Giraldo, également connue sous le nom de The Spider, était une femme au passé trouble. Ayant grandi dans la pauvreté, elle a été exposée aux dures réalités de la vie dès son plus jeune âge. À l'âge adulte, Sandra a compris que son charme et ses talents de manipulatrice pouvaient être utilisés à son avantage. Elle est devenue experte dans l'art d'attirer les hommes dans sa toile, en utilisant leur vulnérabilité pour les exploiter à son profit. Emilsen Yulima Nathalie Rojas, quant à elle, a suivi un chemin différent qui l'a conduite à la criminalité. Élevée dans une famille dysfonctionnelle, elle a été victime d'abus et de négligence. Cette éducation lui a laissé une colère profonde et une soif de pouvoir et de contrôle.
Emile Sen a vu dans le gang de la Veuve Noire une occasion d'exercer sa domination et de se venger d'un monde qu'il avait maltraité. La formation du gang de la Veuve Noire n'a pas été un événement soudain, mais plutôt une évolution progressive. Sandra et Emile Sen ont reconnu le potentiel de leurs homologues féminines et ont commencé à recruter des femmes qui partageaient leur mentalité tordue. Certaines membres s'efforçaient d'établir des relations avec des hommes sans méfiance, usant de leur charme et de leur séduction pour gagner leur confiance. Ces femmes tissaient des réseaux complexes de mensonges, se présentant comme des partenaires aimants, tout en préparant la mort de leurs victimes. D'autres étaient chargées d'exécuter les meurtres, utilisant diverses méthodes pour s'assurer que leurs victimes connaissent une fin atroce. Mais les activités criminelles du gang de la Veuve Noire ne s'arrêtent pas au meurtre. Ils étaient également doués dans l'art de la tromperie et de la manipulation. Certains membres étaient chargés de trouver des avocats qui pouvaient les aider à naviguer dans le système judiciaire et à assurer leur liberté. D'autres étaient chargés de gérer les encaissements d'assurance-vie, exploitant la mort de leurs victimes à des fins lucratives. Ces assurances ont permis au gang d'amasser des sommes colossales, de l'ordre de 100 à 800 millions de pesos. L'une des victimes du gang de la Veuve Noire est Diego Hernandez Beltrán, un maître d'œuvre de 60 ans. Diego a été persuadé par une connaissance de souscrire une assurance-vie, scellant ainsi, sans le savoir, son propre destin. Lorsque les membres du gang l'ont appris, ils ont saisi l'occasion d'exploiter sa vulnérabilité. Ils ont invité Diego à camper près d'un réservoir appelé El Penol Guatapé le 27 septembre 2008, sous prétexte d'une escapade paisible. Il était loin de se douter que ce serait sa dernière nuit en vie. Sous le couvert de l'obscurité, les mains et les pieds de Diego ont été ligotés, le rendant impuissant. Le gang l'a jeté sans ménagement dans le réservoir où il a connu une fin tragique, noyé dans les eaux froides et sombres. Son corps sans vie a été découvert le lendemain, revendiqué par Emile Sen qui s'est faussement présenté comme sa femme. Elle a affirmé qu'elle était la seule bénéficiaire de son assurance-vie, dont la valeur s'élevait à 150 millions de pesos. Diego Hernandez Beltrán, le maître d'œuvre qui a tragiquement perdu la vie aux mains du gang de la Veuve Noire, n'était qu'une de leurs nombreuses victimes. Sa mort n'était pas seulement le résultat de leurs désirs tordus, mais aussi un moyen de gagner de l'argent. La capture du gang de la Veuve Noire a marqué un tournant dans la lutte de la Colombie contre le crime organisé. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage dans le monde sombre des gangs de femmes. Pour visionner d'autres vidéos de ce type, cliquez sur l'une des cartes de votre écran.